Bonjour, vendredi 26 janvier, il est 9h20. Les marchés sont toujours bien orientés. Vous voyez que hier encore, on est ressorti à un moment donné par le bas, cette fois-ci, de la zone. Hein. Et puis, ben, le soir, on est revenu au chaud, tranquillement, au milieu, entre 5470, point bas précédent, et puis 5570, le point haut. Incroyable mais vrai, le marché ne veut pas baisser. C'est ce que je vous répète tous les jours. Il n'y a pas de force de conviction. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Quand je vous dis qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas derrière des programmes qui sont dans l'idée que le marché va retourner à 5000 ou dans l'idée qu'il faut vendre à cause de quelque chose, etc. ou acheter d'ailleurs. Et donc les marchés évoluent au gré de la spéculation, souvent prise à contre-pied, de l'arbitrage sur des séquences d'accélération de l'euro-dollar, sur des séquences de baisse aussi de l'euro-dollar, etc., sur le cash futur, sur les options. Mais tout ça amène du volume, mais pas du volume directionnel. L'euro-dollar, justement, vous voyez comment il est encore ce matin, c'est-à-dire il est très très haut, il se maintient, il n'y a aucun problème. On va tenter d'acheter, nous, sur des replis, par exemple, maintenant qu'il a réaccéléré par rapport à ce qu'il était à 8 heures, c'est incroyable. Donc peut-être sur des niveaux comme un 24,30. Ce matin, on était positionné un petit peu plus bas, vers un 23,90. Mais là, c'est vrai que depuis 6 heures du matin, il a boosté. 6h30, là, 7 heures, hop, il est parti à la hausse. Plutôt que un petit peu à revenir vers le bas, respirer, etc. Donc de toute façon, la tendance est toujours haussière. Ne vendez pas découvert, il n'y a pas de repère de stop loss, à moins de mettre des niveaux très petits comme ça d'une manière discrétionnaire, mais ça, franchement, c'est pas très bon, vaut mieux jouer la tendance. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Sur le CAC, eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur des synthétiques, on recommence justement à vendre sur des niveaux comme ça, sinon on est toujours évidemment en intraday, sur la tendance court, moyen, long terme. Acheteurs non affirmés, donc hier c'était une occasion d'acheter des calls pour vendre des futurs quand ça remonte et monter un synthétique. Ça, c'est vraiment les positions techniques. Hein. C'est comment jouer une situation. Le problème, c'est par rapport à un marché qui ne bouge pas trop, enfin qui bouge pas mal, mais pas dans une direction, le put synthétique, c'est une solution incroyable. Donc il faut se former à ça, mais c'est pas méchant. Il y a quand même des choses à savoir. Hein. Attention, hein, ça ne se fait pas comme ça non plus. Pas en train de faire du teasing sur le stage option, mais presque. Non, mais c'est important. Il ne faut pas vous lancer là-dedans d'abord sans un capital suffisant, sans des connaissances suffisantes. Bon, sinon, en intraday, sur du court moyen terme, nous sommes toujours acheteurs, comme je le dis souvent sur BFM, le mieux possible. Donc là, le niveau de 80-85, ben, vous le retrouvez ici. On a pris appui sur 83 là. Vous voyez, c'est toujours, moi, une zone d'achat partant d'un point haut, ben, c'est une zone d'achat sur repli. Après, ça dépend de l'heure, évidemment, ça dépend des circonstances dans lesquelles on recule, mais c'est une zone sur laquelle on va acheter. Sur le DAX, je m'étais positionné pareil, un peu plus bas ce matin, plutôt en double appui par ici. Mais pour l'instant, le DAX se tient bien. Il a remonté un peu moins, voyez-vous, que le CAC. Parce que le CAC, par rapport au prix de 20h26, il est légèrement au-dessus, légèrement là, ici. Et le DAX, légèrement en dessous. Rien d'extraordinaire, mais de toute façon, là également, la tendance reste haussière, non affirmée. Sur les actions, j'ai vu que même SCAP avait annoncé des résultats plutôt pas mal. En tout cas, meilleur qu'attendu, il y a du volume à la hausse. Je vous avais parlé de Cantel, je suis toujours dessus, hein, Cantel, je suis toujours acheteur, donc j'essaye d'en acheter sur des replis, tranquillement, profitant de petits trous d'air comme la semaine dernière, là il y en a eu. Voilà, c'est dans l'idée que les résultats seront mieux, c'est dans l'idée que la boîte est en recovery. Voilà, c'est pas de la spec, hein, c'est pas, je joue pas une OPA, je joue pas, voilà, je joue une idée de fond sur des fondamentaux. Donc, qu'est-ce que fait Cantel aujourd'hui? Ben, fait pas grand-chose, je pense. Moi, je suis placé, les petits ordres que vous voyez, 1000 par-ci, 1000 par-là, c'est moi. Hein, donc, a priori, c'est. J'en ai mis 86, 76, etc. Après, je viens picorer aussi le marché. Alors aujourd'hui, il y a le PIB britannique, hein, donc la journée sera importante pour la livre sterling.
Si vous voulez spéculer sur les devises aujourd'hui, peut-être que la livre sterling serait le sous-jacent à sélectionner. Le ralentissement de la croissance devrait imposer le maintien d'une politique monétaire accommodante en Grande-Bretagne. Bon, on verra ce qu'il en est. Alors, retour donc hier sur Draghi. Bon, il a répété à plusieurs reprises que. Il a mis en avant la menace que constituait la hausse de l'euro-dollar pour la croissance et le retour de l'inflation. Bon, son approche, c'est la même que celle adoptée en septembre 2017. Alors, ils espèrent toujours que la situation de l'euro-dollar s'améliore, enfin, en tout cas que l'euro rebaisse. Et là, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, je vous disais, euro-dollar toujours orienté à la hausse. Allez, Sérénice, là, qui avait bien été travaillé ces derniers jours, ils disent que malgré le financement des nouvelles études en cours, la boîte présente une consommation de trésorerie raisonnable. Donc ils sont plutôt acheteurs sur Sérénice. Je parle des analystes fondamentaux. C'est une biotech, hein, c'est dangereux, bien évidemment. Pour Elior, la croissance est en ligne avec les objectifs, la valeur a beaucoup baissé, elle a bien remonté. Bon, elle est à son prix, on va dire. Les avis sont plutôt neutres, positifs. Bon, et pour finir, le marché américain, toujours haussier, hein, il n'y a pas de retour, en tout cas pas de retour significatif. Bon, le SPI peut-être marque une petite pause là, depuis 3 jours, ça ralentit, mais oui, on est loin d'un retournement de situation. La hausse est quand même assez puissante, incroyablement puissante. Je pense qu'on va reparler de bulle d'ici peu, mais. Il faut être conscient qu'avec une tendance long terme comme ça, les moyennes mobiles, vous voyez, sont haussières, là, la courte, la 5 et la 21. Donc on monte sur la 5, ce qui est quand même extrêmement rare en permanence. Voilà. La première alerte, ce qui va sonner à un moment donné, c'est lorsque la tendance croisée comme ça. Ici, c'est une situation d'achat. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Et quand ça finit par se croiser, la rupture, en gros, c'est si on pète ce point-là, on passe vendeur. Bon, ben là, il faudra voir la configuration qu'on aura ici. Éventuellement pour déclencher un retournement technique de la situation. Pour l'instant, ça reste haussier, incroyablement haussier, d'une manière inimaginable. En tout cas, on ne l'aurait pas imaginé il y a quelques mois encore, hein, bien évidemment. Bon, on fait un stage d'initiation en ligne le 29 janvier, ce qui est pas mal peut-être pour. Alors, c'est un stage en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le voir de chez vous tranquillement, mais vous allez pouvoir le refaire également. Dans nos locaux, et vous pouvez le refaire plusieurs fois. Ça, c'est important. Nous, en fait, quand on propose une formation, tant que vous ne l'avez pas compris, vous la refaites. Voilà, c'est pas compliqué. On fait des formations extrêmement denses. Bon, celle-là, ça va, elle est cool, mais je pense aux options où là, on le fait sur 2 jours, et sincèrement, il faudrait le faire sur 4. D'ailleurs, on se pose la question de modifier tout ça, mais ça prend du temps et de l'argent. Alors qu'on préfère peut-être que vous travaillez aussi à la maison, que vous venez reposer des questions, etc. Vous voyez, c'est un rapport, nous le temps qu'on passe, vous le temps que vous passez, le prix que ça coûte. Et nous, on ne peut pas se permettre de travailler, enfin de faire des formations en permanence. Notre boulot, le premier travail qu'on fait, ça peut-être vous paraître parfois un peu étonnant, mais c'est le trading. Hein, c'est vraiment ça qui fait avancer le schmilblick. Donc on fait des formations très courtes, mais très 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 denses, trop denses, hein, c'est clair. Mais. De toute façon, vous les refaites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à que vous compreniez. On vous reçoit en privé, on fait des après-midi aussi de révision gratuite, tout ça c'est gratuit. On ne le met pas sur le site, mais on fait vraiment tout ce qu'il faut pour vous amener à parfaitement comprendre les choses. Ok? Bon, ben regardez les calendriers, si vous avez des questions, vous nous appelez, passez une bonne journée, passez un bon week-end, et puis à lundi.